Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois de septembre tout simplement parce qu'on est déjà au mois d'octobre, l'hiver avance à grands pas, je profite qu'il fasse encore un petit peu bon pour porter des maillots sans manches, enfin bref. Je m'excuse à l'avance parce qu'il y a le voisin du dessus qui fait des travaux, ça n'arrête pas et ça risque de faire un petit peu de bruit pendant la vidéo. Donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avance. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, je vais d'abord vous parler des jumbos de la marque Sephora. Plutôt dans ce sens-là, ce sera mieux. Je connaissais déjà leurs jumbos, mais il y a quelques années de ça, ils ressemblaient à ça. J'étais pas hyper convaincue parce que la texture n'était pas très crémeuse, enfin ça grattait un petit peu quand on le mettait sur la paupière. Donc j'ai vite abandonné et là j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux jumbos. Peut-être que ça fait un moment, je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas été voir leurs produits. Et je suis tombée sur ça et bah, j'ai craqué, j'en ai pris un. Pour voir ce que ça valait. Ça commence. Pour voir ce que ça valait. Et ma foi, j'en suis ravie. Ils sont vraiment très très bien. Donc, apparemment, ils durent jusqu'à 12 heures. Moi, j'applique toujours une base avant pour être sûre que ça tienne vraiment bien toute la journée. Et puis, regardez la texture. Ça glisse tout seul. Et puis. Les couleurs sont sympas. Bon, j'ai pris celui-là pour le moment, mais je pense que je vais en reprendre davantage. En plus, ils sont hyper faciles à estomper. Enfin, vraiment, je suis vraiment satisfaite de ce produit-là. Il est vraiment bien. Et il coûte que entre 10-12 euros, pas plus. Donc, vraiment un bon produit. Et je pense que j'irai m'en racheter d'autres parce que j'aime bien me maquiller avec ça. Donc, voilà, premier favori de ce mois-ci. Ensuite, j'ai passé récemment une commande chez Kiko et je cherchais un bon crayon pour me faire mes sourcils rapidement et que le résultat reste naturel. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va vraiment se voir. En tout cas, son application est vraiment bien. Donc il y a un côté avec une petite brosse dont je ne me sers absolument pas. J'utilise mon petit goupillon comme ça, genre, ça me sert, enfin, ça me suffit amplement. Et puis de l'autre côté, bien sûr, on a le crayon. Donc là, il n'est pas taillé évidemment, puisque je m'en suis servi aujourd'hui. Mais ma foi, bien, vraiment très très bien. Il s'applique hyper facilement. Enfin, une fois bien taillé, bien sûr, il redéfinit vraiment bien la forme du sourcil. C'est avec ça que je fais mes sourcils tous les jours. Vraiment. Très très bien. En plus, il coule pas, il fait pas de gros traits dans le sourcil où ça se voit. Enfin, vraiment un très très bon produit. Voilà. Ensuite, j'ai pas pu résister avec les nouveaux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Donc, je me suis pris la teinte Naked 2. Donc, rien que le packaging, il est super joli, quoi. Il est vraiment. Urban Decay quoi. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci, comme tous les rouges à lèvres, et puis voilà, il se présente comme ceci. Alors j'ai pris un nude, mais il est encore un peu trop pâle pour moi parce que ça fait un peu cadavre quand je le mets. La texture est géniale, enfin, ça fond sur la peau. Regardez-moi ça. La couleur est magnifique en plus. C'est un beige clair avec des tons rosés. Il est vraiment. Oh, je l'adore. J'ai hâte d'être blanche pour cet hiver pour pouvoir le mettre. N'importe quoi, la fille. Ensuite, j'avais été faire les boutiques chez Nantes. À Nantes. Et puis j'avais vu un petit magasin de coiffure qui vendait aussi aux professionnels et aux particuliers. Et puis j'ai trouvé ça, les petits élastiques à crochet.
Alors ça les filles, c'est juste génial, c'est génial ce truc-là. Ça ne casse pas les cheveux, ça ne vous les abîme pas. C'est hyper simple à utiliser, c'est génial. Oh, j'en suis folle, enfin j'ai un élastique tout simple autour du poignet parce que c'est pratique, parce que là je viens de rentrer de course. Et enfin c'est super pratique d'avoir ça sur le poignet. Mais ça, je m'en passe pas. C'est juste trop bien. C'est juste génial. Donc voilà, c'est un de mes favoris de ce mois-ci parce que je les ai découverts ce mois-ci. À force d'en entendre parler un peu partout, on finit par être convaincu et du coup on finit par l'acheter. Mais c'est juste génial. Il m'a fallu quoi, 3 coups d'essai pour réussir parfaitement à me faire une queue de cheval. Donc pour vous dire, c'est juste topissime ce truc-là. Ensuite, je vais vous parler de ça. Beaucoup de gens en ont, moi je n'en avais pas, c'est juste il y a quoi, 3 semaines, je me suis acheté ça pour faire mon teint. Bon, bien sûr là, l'éponge reste marquée malgré les lavages. Alors c'est juste une révélation pour moi, c'est le truc que je me sers tous les jours pour mettre mon fond de teint. Ça ne laisse aucune marque. Vous faites comme ça, vous tamponnez, tapotez, ça se ressemble. Bref, vous faites comme ça sur votre visage pour appliquer votre fond de teint et le résultat est hyper bluffant. On ne croirait même pas que vous ayez du fond de teint, le résultat est hyper naturel. C'est génial, il n'y a pas de traces comme parfois il peut y avoir avec les pinceaux. Je m'en lasse pas. Il est dans son petit truc comme ça, posé. J'ai comme ça, vu que c'est bien vert, je le vois. Et hop, tous les matins, il y passe. C'est juste trop bien. Et puis, bah pour finir, parce que j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci, enfin, c'est déjà pas mal, je vais vous parler de mon produit chouchou de tous les temps, le Glam Glow. Alors, c'est une boîte assez énorme. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Bien sûr, elle est déjà ouverte parce que je l'ai utilisée. Vous sortez le. Mince. Vous sortez le petit carton et il y a votre pot là-dedans. Alors, par contre, le pot, voilà la taille. Alors, une boîte si énorme. Pour un pot minuscule. Enfin bref. C'est un soin exfoliant. Alors moi j'ai la peau grasse, avec les pores assez dilatés au niveau du front, du nez et juste sur les ailes du nez. Vous pouvez l'appliquer entièrement sur le visage ou vraiment aux zones ciblées. Alors moi je l'utilise vraiment sur la zone T. Et mais c'est génial ce truc-là, il resserre les pores, il purifie, on sent vraiment qu'il purifie la peau. Enfin, donc ça se présente comme ceci. Il y a une petite opercule. Et voilà. Donc oui, il est complètement déchiqueté à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, il faut le remuer avant de l'utiliser pour que les substances se mélangent bien entre elles. Moi j'utilise un grand cure-dent en fait pour le mélanger, c'est très bien. Et vous l'appliquez vraiment aux zones voulues. Et c'est génial, je vois qu'au fur et à mesure du temps, ma peau se matifie parce que c'est pas un effet qui dure la journée. Non, non, ça dure vraiment 3-4 jours. Vraiment, on voit une amélioration, je vois que ma peau est en meilleure santé. Parce que j'ai plein d'imperfections, j'ai plein de rougeurs sur les joues, j'arrive pas à m'en défaire et j'espère que ce produit-là va m'aider parce que, en plus, il coûte assez cher. Ce petit pot-là qui fait je ne sais pas combien de millilitres, 50 grammes, ce petit pot-là qui fait 50 grammes coûte quand même 50 euros. Donc il faut le rentabiliser le truc. Mais n'empêche que c'est un super investissement. Je viens de commencer, je crois que je me suis fait 3 masques et je le rachèterai sans hésiter. J'essaierai peut-être le blanc parce qu'il y en a un blanc qui existe. Mais en tout cas,
C'est parce que celui-ci, je crois que c'est masque exfoliant jeunesse. Voilà. L'autre, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Enfin bref, vous l'étalez vraiment sur la zone volume, sur tout le visage. Vous le laissez sécher 10 minutes. Par contre, ça pique. On voit vraiment que le produit, il agit vraiment en profondeur parce qu'on sent vraiment que ça nous pique le visage. Après, vous avez une fois que le masque est sec, ça ne pique plus. Par contre, bah, vous pouvez plus parler, plus bouger parce que vous avez le masque qui vous compresse le visage. Et une fois que vous avez le masque sec, vous mouillez le masque, vous exfoliez. Moi, j'exfolie à peu près 2-3 minutes hein, l'ensemble de mon visage. Vous rincez et là, magique. Votre peau, elle est douce. Je crois que ma peau a jamais été aussi belle avec ce masque-là. Les pores sont resserrés, la peau est super douce. Je vois une diminution de mes rougeurs. Bref, génial. Vraiment génial. Que vous dire de plus là-dessus? C'est en vente chez Sephora. Mais je pense qu'il a déjà fait l'unanimité auprès de celles qui l'utilisent. Parce que vraiment, je pense qu'il faut aussi éviter de le faire trop souvent, surtout celles qui ont la peau sensible. Moi, je ne l'ai pas. Mais celles qui ont la peau sensible, faites attention. Je pense que ça peut provoquer quelques rougeurs après le soin. Voilà. Après, moi, il est parfait pour ma peau. Elle est grasse, elle est pas plus sensible que ça. Il est. Enfin, j'adore ce truc-là. Et bien voilà! Ça y est, j'ai terminé de vous présenter mes favoris. Dites-moi si vous avez des produits chouchous du mois de septembre. Et puis, comme ça permet de partager tous ensemble. Voilà! Salut!